Oula, et avant de commencer la vidéo, petite anecdote, tu vois, tout à l'heure, j'étais parti, pas du tout écrite, hein. Donc j'étais parti me doucher avant de faire la vidéo, tu vois, ce qui est à peu près normal, c'est les gens, chez les gens propres. J'étais parti me doucher, puis en sortant de la douche, je m'habille, tout ça, et je mets du parfum, mais en fait, bah ça sert à rien de mettre du parfum, parce qu'en vidéo, vous sentez pas mon odeur corporelle, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je pue la merde! C'est une blague. Hein, je précise. Bonjour à tous, comment ça va? Alors, pour commencer le matin, il y a les personnes normales. Hein. Oh. 6h30. Vas-y, encore 10 minutes. Hein. Moi le matin quand je me lève, il m'arrive tout le temps, mais alors tout le temps la même chose. Pour commencer, je me lève, hein, la tête dans le cul bien évidemment. Et puis comme je mesure 1 mètre, ouais, enfin je suis grand quoi, et ben. La poutre. Et bah je peux vous dire que le matin, ça réveille. Prochaine étape, je vais donc préparer mon petit déjeuner à base de trésors de Kellogg's ou de Chocapic. Hein. C'est oublié que c'est selon l'envie du matin. Hein. Oui, 1 kilo, ouais, je suis un gros porc. Mais si ce n'est pas un placement de produit, hein, parce que si j'aurais pu gagner de l'argent en plaçant juste Kellogg's et Chocapic, je l'aurais fait, vous vous doutez bien. Je rigole. Bon, revenons à nos moutons. Donc je prépare mon petit déjeuner, tout ça. Donc je mets à chauffer du lait. Oui, parce que je prends du lait chaud avec mes céréales, qu'est-ce que tu vas faire? Puis je me pose tranquillement sur la table de la salle à manger pour, en attendant que mon lait chauffe, je regarde une vidéo, tout ça. Les premiers jours de babouche et t'y continuer. We're going to school. La forêt, pour arriver à l'école. Tu nous aideras à aller là-bas? Oui. Sauf que à chaque fois, j'oublie que je suis en train de faire chauffer du lait à côté. Du coup, bah... bah ça déborde. Clear. Ah oui, et pour la petite anecdote à ne pas piquer des hannetons, une fois je dormais tranquillement pépère dans mon lit, tu vois, je vais pas dormir par terre en même temps, jusqu'à ce que je sois réveillé par, comment dire, un petit truc pas commun, mais pas commun du tout. Ah bah merde. Ah bah ça me fait une belle jambe, hein. Excusez-moi mais... je crois que je suis un peu dans le caca là. Puis cette fois-ci je me suis vraiment réveillé, hein, en m'apercevant que bien évidemment c'était qu'un rêve. Une autre anecdote à ne pas biguer des hannetons encore une fois. Je ne sais pas si vous avez entendu mais il me semble qu'il y a 2 semaines de cela à peu près. 2 semaines ouais. Il y a eu un petit tremblement de terre en Charente-Maritime. Donc j'habite en Charente-Maritime pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas où j'habite. J'habite en Charente-Maritime et donc il y a eu un tremblement de terre en Charente-Maritime il y a 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'était un jeudi, il me semble. Ouais, il me semble. Donc il devait être 8h36 et 17 secondes à peu près quand j'ai senti des secousses. Hein. J'étais réveillé par des secousses. Alors moi, aussi rationnel que je suis, j'ai cru que c'était mon père qui me faisait une blague pour me réveiller, tu vois. Mais non, c'était bel et bien un tremblement de terre. D'ailleurs, j'ai une... belle petite réaction bien à moi quand j'ai compris, quand j'ai tilté que c'était un tremblement de terre. What? Oh papa, putain. Tiens, pourquoi tu me... bon bah les couilles.
Et voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. D'ailleurs, petite annonce, il y a les dates de la Video City qui ont été annoncées. Donc c'est le 26 et 27 novembre 2016, il me semble. Donc si vous voulez que j'y aille, bah n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. À la Video City, Mathis, s'il te plaît. Du coup, voilà, je pourrais éventuellement y aller et on pourra se voir et parler et discuter. Et... ça pourrait être plutôt sympa, hein? Allez, sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me rejoindre partout sur les réseaux sociaux, donc tous les liens sont dans la description, hein. T'inquiète pas, ça, tout est... enfin bref. Et voilà, on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao! On rigole bien hein, ici, hein, tu t'abonnes hein, s'il te plaît. Salut.